de Laval est une ville de plus de 400 000 habitants. C'est une ville qui est en pleine croissance. C'est une ville également qui a un système de transport qui est en croissance. Nous avons, nous sommes considérés comme un système de transport de taille moyenne. Nous avons un peu plus de 900 employés, plus de 300 véhicules. Nous avons des objectifs ambitieux d'augmentation de notre achalandage et nous avons toujours été à la fine pointe de la technologie. Présentement, nous avons environ une personne sur cinq qui utilise en heure de pointe du matin le transport collectif. C'est une croissance de près de 30 % depuis 8 ans. Nos clients demandent de la ponctualité, nos clients demandent de la rapidité, nos clients demandent de la fiabilité. Sans ces trois ingrédients, c'est impossible d'augmenter notre part modale. Et nous croyons donc que le système de mesures préférentielles au feu de circulation vise directement ces trois objectifs et nous avons extrêmement confiance que ça va être un facteur déterminant pour augmenter notre part modale. Le fonctionnement du système est relativement simple. Lorsqu'un autobus en retard approche d'une intersection munie de TSP, celui-ci va émettre une demande de priorité de passage qui va ajuster la durée du feu vert ou rouge de quelques secondes, permettant ainsi à l'autobus de traverser l'intersection plus rapidement. La particularité du système Opticom est qu'il permet d'utiliser les fonctions de priorité conditionnelle et relative. La priorité conditionnelle permet à un autobus en service d'émettre une demande de priorité seulement s'il est en retard. De cette façon, nous nous assurons qu'un autobus à l'heure ou en avance ne profitera pas d'une priorité. Donc, en plus de mieux respecter nos horaires, la priorité conditionnelle va nous permettre de diminuer la variabilité de nos temps de parcours qui mènera ultimement à une réduction de ceux-ci. Les données du CMS sont très utiles puisqu'elles nous permettent d'évaluer les performances et le fonctionnement du système TSP. Donc, le système Opticom enregistre l'ensemble des communications entre l'autobus et les feux de circulation, comme par exemple les temps d'entrée et de sortie des zones de détection à l'intersection. Il recueille aussi l'information sur le statut des phases et des demandes de priorité qui ont été demandées. En 2013, la STL avait déjà fait un projet pilote en déployant du TSP sur 7 intersections à Laval. Le projet nous avait permis de mieux comprendre le fonctionnement du TSP, mais aussi de faire un inventaire exhaustif de nos besoins. La liaison de nos données avec Opticom nous permet de quantifier les impacts du TSP sur nos temps de parcours. La STL a construit elle-même ses outils d'analyse et de diagnostic afin qu'elle puisse répondre parfaitement à ses besoins. Un des rapports nous permet de voir la proportion du temps passé au feu de circulation par tronçon, ainsi que le nombre d'occurrences où le TSP a été sollicité. Nous pouvons aussi comparer deux périodes entre elles afin de voir les effets avant-après du TSP ou même d'un changement dans la programmation du contrôleur, par exemple. L'expérience a été très enrichissante. GTT nous a traités comme un client et un partenaire. L'équipe de GTT nous a accompagnés de façon professionnelle tout au long du projet. La distance qui nous sépare de l'équipe technique au Minnesota n'a jamais été un enjeu. Le représentant local a toujours été présent et surtout très proactif dans la quête de solutions qui pouvaient répondre à nos besoins. Donc, je recommande définitivement GTT aux autres villes et agences de transport.